salut à toi. Et donc salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Zoria sur le serveur de la Team Craft Test, le serveur 1.13. Salut Zoria, donc moi aussi je rec. Ouais, donc bonjour à tous, c'est moi Zoria Gamers. Je suis donc en compagnie de Tosobi 91 pour bah du coup cette nouvelle vidéo sur le Snapchat 17W45B. Oui, encore une mise à jour aujourd'hui, je l'ai fait tout à l'heure, voilà. Bon, alors il y a eu pas mal de petits problèmes. Par exemple, le problème où ça faisait ça à l'infini, et j'ai dû passer en la vie mode 1.8.8 pour régler le problème. Bon, bah j'espère que vous aurez pas le même problème que nous, ou en tout cas que moi. Bon, dès qu'il y a un problème, bah Zora, il a tendance à péter un plomb. Hein. Bah avec Minecraft, oui, parce que c'est un jeu que je joue énormément. Et j'aime bien éviter des problèmes sur ce jeu, tu vois. Ouais. Bah en même temps, Zora, je te rappelle qu'on est sur le snapshot, donc tu peux pas faire totalement confiance. Je sais, mais quand t'as un bug qui le fait sur toutes les versions, tu te dis what? Ça me le faisait sur toutes, à part sur la Bimada 1.8.8. Ah, ça te faisait sur toutes les versions? Oui, à partir du moment où je me suis connecté sur la 1.13 avec TeamViewer ce midi, bah ça me le faisait tout le temps. Bon, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Zora m'a aidé à faire un petit truc avec OS Meter pour améliorer encore plus mon micro, donc il est mieux que mes anciennes vidéos, enfin les vidéos que j'avais fait précédemment. Et voilà. Exactement. Bon, tiens, je te présente un petit peu toutes les constructions que j'ai fait, plutôt, enfin, la construction que j'ai commencé, le projet que j'ai commencé avec mes abonnés. Désolé pour ce blanc énorme. Mais merci. Ouais, donc tu pourrais me rejoindre au mini port VLAN. Ah oui, le mini port VLAN, d'accord, oui, je te rejoins. Bon, hein, je rappelle à mes abonnés qu'est-ce que c'est que ce port. Je rappelle que le VLAN est un port est une connectique de connexion internet, je crois me rappeler. Et que, bah, voilà. Et vu que Tozo adore beaucoup ce genre de choses, et bah, il a voulu faire une sorte de dédicace au connectique de VLAN en faisant un port, mais un vrai port, comme s'il y avait des bateaux. Ouais. Et en fait, bon. Bah, quand j'ai de me rejoindre là, en fait, c'est surtout pour que tu puisses savoir qu'on va en fait sur le pont que je me suis emmerdé à construire. Attends, je vais tuer le zombie. Mais mince, il y a encore un squat. C'est toi qui as construit ça ou c'est moi? C'est moi qui a construit, non? Le pont, si, oui, c'est moi. Lequel pont? Celui-là. Ah ouais, ouais, exactement, c'était ce pont-là. Donc t'as. Ouais. Bah, c'est là, il a bien avancé déjà. Bon, fait, ouais, ah oui, voilà, c'est le pont que Zora a construit, mais en présent, parce que t'as pas présenté à tes. Bah, si, j'avais fait une vidéo World Tour il y a deux épisodes déjà maintenant. Ah ouais, voilà. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de souffle qui va dans le micro. Parce que bon, j'ai remarqué que dans la vidéo que j'avais fait avec Zoria, le premier épisode, ça avait tendance à gêner beaucoup. Ouais, mais normalement maintenant que ton micro est en mono, ça devrait être un peu mieux. Donc tu verras, je me suis vraiment fait chier à tout construire. Alors par contre, je l'ai pas fait en vidéo ça, hein. Je ferai à te prévenir tout de suite. Non. Vous avez peut-être remarqué la torche, enfin la lumière qu'il y a. Oui, donc c'est une petite lampe que j'avais chez moi en fait, et que j'ai décidé de mettre parce que franchement, si voilà. Regardez la catastrophe atomique quand j'éteins la lampe, c'est vraiment catastrophique, voilà. C'est pour ça que... Ah merde, pardon, je vais pas taper. C'est pour ça que je garde une lampe parce que bon, après on voit plus rien, il y a des sortes de lignes de couleurs. Apparaissent, enfin c'est horrible. Voilà. Alors, je te conseille de passer par ces échelles pour aller au projet qui est en cours de construction en vidéo, qui est donc le manoir de la Team Minecraft, où en fait il y aura une partie pour chaque habitant de la Team Minecraft, il y aura une sorte de mini appartement. Ok, et je vois que. Oh merde, j'ai pas oublié, oh putain, fais chier. Il y a des tonnes et des tonnes de monstres. Des petits creepers et des petits amis qui commencent à spawn sur le toit. Oui, mais ça je peux rien y faire. Attends, bah ils m'ont déjà pété mon toit dans ma dernière vidéo. Ah ouais? Bah, oui. J'irai voir. Ah donc du coup voilà, donc comme je vous rappelle, c'est pas une série officielle. Alors voilà, oui, je vais parler un petit peu plus de moi. J'ai toujours ce putain de bug d'inventaire, regardez, je ne peux pas sélectionner les items comme on le fait normalement. C'est bon, ouais. Je viens de dupliquer. Ah non, c'est bon. Bon, viens, je vais planter ce truc. Je peux toujours pas sélectionner mon inventaire quoi, passe de la bouffe s'il te plaît. C'est la touche A maintenant. Bon les amis, on y va. Alors s'il te plaît, viens. J'ai remis en W parce que j'étais habitué à W. Ouais, moi je l'ai laissé par défaut, mais je pense que j'en mettrai sur Notepad 1. Pourquoi ça lag là? Y'a que toi qui lag là, hein. Non mais c'est mon Minecraft lag un petit peu. Moi je me suis demandé pourquoi ça lag. Je vais monter un petit peu le vidéo settings. Bon, tu m'as t'es monté là, allez viens. F3,
Tozo, s'il te plaît. Oui, recharger. C'est quoi le truc pour recharger les chunks? Ah oui, les tronçons, c'est ça. F3G. Ah non, c'est afficher les tronçons. Ah oui, non, c'est F3G, oui. Si tu veux, si tu veux tout réactualiser, tu fais F3Q. F3Q, afficher cette liste. Ou alors c'est F3A. C'est F3Q ou F3A? Non, ouais, c'est F3Q, moi, perso. F3A, c'est pour afficher la liste, et F3Q, c'est pour actualiser les chunks. Ouais. Et ils ont modifié le truc. Bon, bah écoute. Bon, t'as vu, t'as vu comment c'était drôle de tout poser, ces blocs? Ouais. Je me suis bien fiché à tout poser. Donc, Zoria, oui, si tu te demandes pourquoi j'ai construit un port là-bas, parce que en fait, je trouvais que le port que t'avais fait toi était un peu loin, en fait, et qu'il fallait traverser plein... c'était long, en fait, voilà. Ouais, bah y'a un port sur chaque île, donc... Bon, alors ça, c'est la maison de ma sœur. Ici, c'est la maison de ma sœur. Jusqu'ici. Reviens là, reviens là, reviens là, t'as raté la maison de ma sœur. Déjà vu, je crois. Ah, y'a un bébé zombie. On va faire foutre, putain. Franchement, mais dans cette version là, et les mobs sont garantis, je suis désolé. Hein. Donc, ouais, donc là, c'est la sœur. Enfin, c'est la sœur. Lily de la team. Attends, what? De la team girl rose. Et un petit kill, ben un HML ici. Et voilà, donc petite maison. Telle petite fille qui joue à Minecraft. Hein. Ouais. C'est exact. Ah, et attends, j'arrive. Ah, y'a même une mine, quoi. C'est. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. C'est genre les débutants en Minecraft. Allez, je mets une petite torche pour le plaisir. Bah, elle a pas joué depuis un moment sur le serveur, étant donné que bah. Elle a pas trop le temps, elle fait d'autres trucs sur Minecraft. Oula, par contre, what? Attends. Ce truc de cassage là, c'est pas dans les anciennes versions. Cette texture m'a l'air bizarre quand je casse les blocs. Non, mais de toute façon, ils vont dans la 1.14 qui est en cours de développement. Ils vont tout simplement changer la texture de la cobblestone. Pourquoi? Et d'ailleurs, ils ont changé la modélisation 3D des chevals et personne ne l'aime. Mais pourquoi ils ont changé pourquoi ils vont changer les stones? Parce que ils veulent changer tous les blocs. D'ailleurs, c'est pareil, le bloc d'obsidienne va changer et on dirait un bloc de charbon. Bon, bien. Donc, bon magasin de pêche, voilà. Là, voilà, donc ça c'est ce port très chelou. C'était un tout mini port. Hein. Par contre, la maniabilité bateau, elle a vraiment été améliorée. Ça, c'est bien. Ça, c'est clair, et hein, je peux même monter avec toi. Ah, ouais. Donc, voilà, donc, vas-y, reviens sur le port. J'ai donc le laboratoire à montrer quand même, à te montrer. C'est ouvert le laboratoire. Bah, il faut remettre le bateau à sa place. Évidemment, si vous cognez un truc, il va se casser. Non. Il freine automatiquement, ça c'est super bien. Exactement. En vrai, pour casser un bateau maintenant, c'est super compliqué. Faut y aller pour le casser, fils de... Tozo? Oui. On joue à chat? Voilà. Donc voici le laboratoire de Zoria. Ils l'ont déjà vu, hein, pour info. Moi, faut que je monte sur ma chaîne, je te rappelle, c'est le deuxième épisode. Putain! Mais ta mère! Attaque-le! Attaque-le! De pute! Non! Non! Un creeper explose en direct! Oh non! Ça tourne mal, explication! Qu'est-ce qu'il foutait là, le creeper? Ça tourne mal, explication! What the fuck? Non, mais. Voyez, non mais quand je vous dis que cette version inclut beaucoup de mobs, c'est pas une blague, hein. Cette putain de version, il y a trop de mobs là, et c'est vraiment trop de... Ouais, je vais encore me faire chier à faire de la cobblestone. Ouais. Ouais, donc ça... Oh, ça fait déjà 10 minutes les gars. Non, moins 9. Vidéo, je vais... Hein? Moins 9. Ah ouais, 9 minutes aussi. Ouais, ça fait... Ouais, je vais allonger quand même les vidéos à 20 minutes, hein, parce que bon, ou peut-être 25. Parce ouais, que bon, on va dans le Nether. Bref, là on a le portail du Nether. Allez, dans le Nether. Du Zoria, hein. Tu vas laguer. Bon, on va y aller. Ah merde, je peux pas faire ça, c'est vrai. Putain, j'ai eu un rollback. Tu téléportes pas dans le Nether? Y'a un rollback, y'a des rollbacks. Ouh. Ok, progrès réalisé. Oula, ça fait mal à la tête, hein, c'est particulier.
Voilà, donc on le laser, hein. Qu'est-ce qui change dans le laser? Il y a beaucoup de rollback. Hein? Il y a énormément de rollback. Je ne peux plus, je peux même plus bouger. Bah, et je t'entends mal sur Skype d'ailleurs. Par contre, là, si je descends à cette hauteur. Oh non, 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 dégage, dégage, dégage! Putain! T'es pas grave. T'es où? Je te vois! Merde! J'arrive! Attends, secours! Je me fais attaquer par un. Ok, bah, c'est bon, je suis mort. T'es pété, bah va dans, reviens dans le Never, t'es pété à moi. Aïe. Ouais, vas-y, je vais me taper toi. Mais ouais, j'ai. Oh non. Ah oui, et un autre truc aussi, c'est les commandes qui sont devenues mes. Ouais, slash TP, mon pseudo, c'est le seul moyen pour téléporter. Pourquoi ton pseudo? Bah, t'es à Joria. Bah oui, peut-être parce que t'es pas dans le Never. Faut être dans la même dimension que moi pour te TP à moi. Hein. J'ai attaqué les pigs. Y'a un. À cause de. À cause de. Du. Une commande, commande à position 0. En gros, il dit que ça marche pas. Enfin. Téléportation. Téléporte, je sais pas moi. Oui, mais dans tous les cas, faut que tu sois dans la même dimension que moi pour te TP. Il faut que tu sois dans la même dimension que moi pour téléporter à moi. Ouais. Mais c'est bizarre, les commandes elles sont devenues bizarres maintenant. Okay. Ils vont me niquer les mobs là. Ça me dit à chaque fois le même message. Les commandes ont totalement changé. Mais t'es dans le Never là? Non. Bah va dans le Never. Ça marchera pas tant que tu seras pas dans le Never. J'arrive, mais c'est normal que je fais n'importe quelle commande et ça me dit tout dans le même message. Oui, c'est parce qu'on est sur un serveur et que ça marche mal sur le serveur. On pourra pas se téléporter. Si, moi ça marchait tout à l'heure, je me souviens pas toi. C'est reparti les amis, alors j'ai pas configuré la touche pour les ellipses, super. Oui. Mais il y a une musique personnalisée quand tu fais l'achievement que je viens de faire. Ah oui, effectivement, comme vous le voyez, ils ont vraiment bien développé les achievements, hein, c'est excellent. Ils ont vraiment bien développé, enfin, ils ont fait un effort sur ça. Et ouais. Quand j'ai appris que Minecraft allait malheureusement s'arrêter en 1.13, je me suis dit, oh putain, mais non, allez vous faire foutre. Et non, vous inquiétez pas, il s'arrêtera pas en 1.13, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ah, donc après... Oh putain, avec ma pioche. Aïe! C'est vraiment important que je vais dans le Nether ou parce que j'aimerais bien faire 2-3 trucs à la maison. Hein. Bah. Non, attends, j'arrive. Je vais me suicider. Allez, tuez-moi les potos, tuez-moi! Bon bah, moi aussi, du coup, je vais me suicider là. Ah oui, et pour information, dans cette version là, beaucoup plus mal que l'épée, Zora peut confirmer. Exactement. Mais ça c'est pas nouveau, ça vient de la 1.9. Hein. Ah oui, et le bruit a changé quand on va dans l'eau. Ouais. Attends, je vais ranger un petit peu le bordel que j'ai là. Donc, ce bug des... Alors, comme vous le voyez sur le toit, Zora regarde, montre aussi à la caméra. C'est la plomberie en fait qui foire en haut. Mais je vais régler ça. Ouais, je sais, c'est les plantes. Alors, qu'est-ce qu'il me faudra? Je vais chercher du bois. Moi, je vais m'attaquer à l'une des îles qu'on n'a pas encore fait. Oula. Ah oui, il y a des bugs de chunk, hein. C'est des bugs de texture, c'est normal. Ouais, je sais. Peur, en fait. Je sais. Bon, ce bug de sélection. Alors, si vous jouez à Minecraft, si vous aimez bien jouer sur les derniers snapshots, dites-moi si vous avez ce même bug ou si vous avez une solution pour le régler, parce que vraiment c'est chiant. Parce qu'en gros, quand je prends un item, vous voyez normalement quand on clique sur un item dans l'inventaire, quand on fait E, tout simplement, il vient de notre souris l'item. Bah là, non, il faut que je maintiens mon clic maintenu. Et je relâche pour le mettre dans un autre slot de carré. Ensuite, je peux pas prendre un stack, une moitié de stack.
Ah si, je peux prendre le mode du stack, mais je dois rester appuyé. Et pour mettre, par exemple, si vous voulez crafter rapidement, par exemple, si vous voulez mettre plusieurs... vous voyez, quand vous voulez faire, par exemple, du bois, épée. Regardez, là, je vais crafter, tout simplement. Regardez le temps que ça prend pour crafter. Vous voyez, déjà, là, c'est beaucoup plus lent. Et le shift ne marche pas, hein, effectivement. Le shift, non. Par contre, un truc qui est bien, c'est que, bon, quand vous... quand, par exemple, vous avez mis des items dans votre table de craft, les items reviennent automatiquement dans votre inventaire. C'est ouais. Ça qui est bien. Exactement. Voilà. Et ta gueule. Merci. Donc, je vais chercher... Mais ferme ta gueule. Fils de pute. Fils de pute. Un saut pour... Tu te parles pute. Pour régler ce problème... Bon, mais tu dis pas que je dois recrafter un quand même. Ah bah si. Ah bah si. Bon. Bah attends, t'as cru que c'est facile que ça. Bah en même temps avec ce bug de crafting, ça me facilite pas les choses, hein, Zoria. Bah t'as juste d'aller voir. What? Alors là... Ah ok, si ça m'a drop parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Ah ouais, chaud. Ça vous drop l'item quand vous avez plus de place dans votre inventaire. Et évidemment, hein, vous pouvez pas remplacer un item que vous avez sélectionné pour par exemple échanger de place. Donc vous pouvez pas faire ça. Malheureusement. Va falloir que je fasse une source d'eau infinie. Alors. Faire une source d'eau infinie histoire de parce que j'en aurais besoin. Vous allez voir tout simplement ce que je vais faire. Moi je suis en train de commencer un nouveau projet que j'expliquerai un peu plus tard dans mes prochains épisodes. Ouais, voilà. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà, vous voyez qu'on a une source d'eau infinie. Moi il me faut un peu plus de sable, attends. Le problème c'est qu'il faudrait que je casse. Ah là là, je sens que ça va être vraiment bordé. Bon, dans tous les cas la vidéo va être finie, donc on continuera ça dans les prochains épisodes. Alors prochains épisodes, mais moi je pense pas que je vais couper maintenant. Allez, à 25 je coupe, ok. Moi je vais couper à 20 là, je remonte en haut, je dépose le bordel que j'ai dans mon inventaire. Mais là c'est vraiment le bordel. Si tu vois de l'eau s'écouler partout, je suis désolé. Non. Pardon. On m'a tapé, désolé. Alors t'inquiète pas, je règle le problème vite. Juste à récupérer tout ce bois et en fait de poser une couche en bas. Et... T'as cassé les torches en bas. Non mais t'inquiète pas, je les remettrai. Alors hop. Non, je le fais. T'inquiète pas, je me récupère. Je sais ce que je fais. Alors le double saut des fois, vous voyez qu'il est assez chiant à utiliser. Voilà. Bon, je peux pas remonter, malheureusement. Oui, on va essayer, mais oh putain, ça lag. Aïe 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 aïe. Ça lag. Ça, on s'en occupe plus tard. Donc là, je vais mettre des blocs de bois, tout simplement. C'est bon, l'eau va partir. L'eau, elle va se barrer. Yep. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais en ce moment, je fais beaucoup plus de Minecraft qu'avant. C'est vrai, j'avoue. Mais bon, l'envie de refaire du MC est de retour. C'est pour ça. Ouais, j'avais plus de trouver. Je joue plus trop à Minecraft, mais grâce à ce serveur là, j'ai un peu recommencé à jouer à Minecraft. Un Zora peut le confirmer. Ouais. Parce que bon, je suis plus trop actif sur Minecraft depuis quelques temps. Mais bon, j'ai pas arrêté Minecraft. Hein. Ce n'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Tu n'as pas du tout arrêté de jouer. Tu joues en cachette, tu nous le dis pas. Il vient plus les mecs sur le savoir, par contre, ça c'est dommage. Ah bon, alors oui, alors d'ailleurs je m'en fais penser, si jamais vous les abonnés à Zoria ou les abonnés à moi, bon, sont pas très nombreux, c'est pas grave. Si jamais vous êtes abonné, que vous regardez nos vidéos, si jamais vous êtes intéressé pour venir dans la Team Minecraft, nous sommes partants. Nous recrutons, hein, toujours, on n'est pas nombreux, voilà. Nous recrutons, donc bon, je mettrai peut-être les critères dans la description. Voilà, donc Zoria aussi, il a déjà fait une description toute prête. Zoria en parle dans toutes ses vidéos de la Team Minecraft. Exactement.
C'est ma team. J'aurais recruté toujours d'ailleurs des membres. Le but c'est que nous soyons au moins plus de 20. Oui, je cherche gros. Mais c'est pour pouvoir, si plus tard on a des matchs e-sport, avoir toujours quelqu'un de disponible pour les matchs. Tout simplement. Et donc il y aura des matchs e-sport, Counter-Strike, Minecraft, des jeux Overwatch et même des trucs Clash Royale pour les gens qui aiment jouer sur mobile. Par exemple, vous allez dire maintenant c'est que Minecraft et tout ça. Non, nous, la Team Minecraft, on propose plusieurs jeux à votre goût et à votre plaisir. Donc vous pouvez venir quand vous voulez, jouer à n'importe quel jeu. Ah, quand il dit vous voulez, vous pouvez venir quand vous voulez. Évidemment, il y a un système de recrutement, de candidature, il y a des critères. C'est moi qui a tous les documents, donc je les ai aussi envoyés à Zoria. Enfin, d'ailleurs, si tu les as reçus, je sais pas. Oui, je les ai. T'inquiète pas. Ouais, faut rajouter une échelle. Mais voilà, les amis, il faut pas croire. Hein, on est vraiment une association vraiment. Sérieuse. On est une asso sérieuse et par conséquent, on ne joue pas à la rigolade. Hein, vraiment, enfin, on joue à la rigolade, mais on ne recrutera pas n'importe qui. Nous avons un membre qui s'appelle Zachario, qui a tout simplement s'est plaint que la Team Craft était trop sérieuse. Alors au début on était comme ça parce qu'au moment on se disait voilà on est maintenant une association, on doit faire des choses, on doit faire ça ici et ça. Mais on s'améliore de plus en plus, donc vous voyez qu'on n'est pas une team parfaite, hein, même toutes les plus grandes teams ne sont pas parfaites. Okay. Alors il y a une conversation qui m'appelle et qui m'a dérangé en plein milieu, super. Donc notre team n'est pas parfaite, hein, aucune team n'est parfaite, vous voyez. Et on est simplement encore en développement, entre guillemets, hein, c'est un bien grand mot. Et voilà, donc on cherche des idées neuves et on essaye de s'améliorer jour en jour. Voilà, donc plus vous allez venir, plus vous allez nous proposer des idées et plus la team craft s'améliorera. Exactement. Aussi, du recrutement, faut être actif évidemment sur Skype, sur les jeux, actif un minimum. Vous voyez, quand je dis actif, c'est que vous soyez là, que vous envoyez un, deux, trois messages, que vous dites bonjour aux membres de TeamCraft, que voilà, que vous soyez un peu près actif sur le serveur ainsi que sur les autres, sur les autres choses que propose la TeamCraft. Par exemple, Zora, tu pourrais en citer quelques-uns parce que je pense que tu as beaucoup de projets à part Minecraft. Yep, et d'ailleurs j'en ai un qui est en préparation. Je peux pas trop vous en dire, mais j'ai effectivement un projet qui est en préparation pour la Team Minecraft et personnellement pour l'eSport. Donc voilà. Alors sur le jeu ce sera je peux pas vous le dire en fait. J'ai pas encore le droit de vous le dire. Ce que je sais par contre c'est que cette vidéo sera upload sûrement dimanche, mais sachez que samedi je stream de 4h du matin jusqu'à minuit. Voilà. Là. Ah non, à 4h du matin. Ah oui, à 4h du matin, effectivement. Je vais essayer d'être là, je vais essayer d'être réveillé le plus possible. Bah attention, c'est attention, je vais même pas dormir, c'est attention, je vais rester avec toi, donc. Tu vois le genre? Ouais. Ouais, là je suis en train de finir un truc, donc j'arrêterai la vidéo après avoir fini mon truc. Mais ouais. Donc voilà, et par contre, alors pour être dans la Team Minecraft, il faut être un minimum actif, hein, je pense que vous l'avez compris. Effectivement. Si vous n'êtes pas actif, vous ne serez pas dans la team très longtemps, à mon avis. C'est le cas par exemple de Laiku qui n'est plus membre de la team. Ah oui, on avait un membre qui s'appelait Laiku qui n'était jamais là, tout simplement. Ah. D'ailleurs, il le sait toujours pas. Hein. Une à deux fois sur le serveur, de lâcher un petit message, vous voyez, comme ça. Alors après vous allez me dire mais franchement la Team Craft c'est bizarre, c'est qu'une conversation. Mais non, la Team Craft c'est vraiment une Team Craft. Et si jamais vous avez plusieurs choses à dire, bah venez, essayez, hein, on est ouvert à H24. On a notre TS qui est tout le temps ouvert, donc Ah oui, on a aussi, oui, voilà, un TeamSpeak, etc. On a un Mumble, non je déconne pas. Non, un Discord, on a un Discord. On a un Discord. On a un ventrilo aussi, hein. On a tout. Ventrilo. Ça existe encore cette merde? C'est un vieux truc de 2006. Ouais, je sais. Appelle-moi le vieux, oui. Hein. Ouais. Hashtag trio. Ah, ta gueule par contre. 1995. Hein, voilà. Ta gueule! Trio, c'est bien!
J'ai jamais dit que Trio était pas bien. J'ai seulement dit que Trio était vieux. Oui, bah comme toi. Toi aussi, t'es aussi des vieux. Je suis vieux. Alors, oui. Attends, mais ça prend un temps fou ce que je fais là. Donc, ce que je fais là, ça prend un temps fou. Un tofu. C'était nul. Ouais, bon, là, y a plus de bois coupé en. Ah, si. Y a tout dans les coffres en fait. Bah oui, y a tout dans les coffres, t'as vu quoi. Je vais me dépêcher de fermer. De terminer ça. Putain, j'aurais pas dû te poser de la pierre en fait, ça fait moche. Voilà. Putain, ça part vite le sable. T'as vu ça? Ouais, oh, mais en fait, là c'est déjà fait ici, j'ai pas besoin de le refaire. Voilà, bon, c'est bon. Là, j'ai fait un petit peu ce que je comptais faire au début. Est-ce que j'ai encore un peu de bois? Ça fait 25 minutes de vidéo, moi je pense qu'on va s'arrêter là maintenant. N'est-ce pas? Hein? Ce serait bien, Tozo. Ah, par contre, ton armure est en train de break, moi. Bon, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si ça vous aura fait plaisir, de partager, de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo si vous avez fait plaisir, c'est ça, les amis. Tozo, le mot de fin. Oui, je peux vous préciser, Zoré est un grand malade dans sa tête. Oui, je suis un grand malade, et sur ce, je vais y parler avec tout le monde!